cette deuxième session de l'Assemblée générale de l'Interpol intervient au moment où le paysage criminel est impacté dans la mondialisation, la virtualité, l'idéologie et la technologie qui se constituent un défi majeur pour la communauté policière, tant au plan national, régional qu'international. C'est à ce titre que nous devons fédérer l'ensemble de nos capacités tendant à créer une alliance solide et pérenne entre les chargés de l'application de la loi d'une part et les secteurs publics et privés de l'autre part, à même de lutter efficacement contre l'évaluation accrue de la criminalité, émergente. Nous demeurons convaincus que cette deuxième assemblée à Afripol marquera une étape importante dans la poursuite de la mise en œuvre du plan d'action d'Afripol qui a enregistré jusqu'à là des progrès tangibles.